Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ça. Ça. Je sais que tout le monde l'attend avec impatience. C'est un truc de fou. Il est trop beau. Enfin, je sais pas. Moi, j'adore. Je suis fan. J'ai envie de me pousser pour vous le montrer bien correctement. Voilà, un véhicule monstrueux. Monstrueux. Donc, on va regarder un petit peu tout ça dans cette vidéo. Les équipements à l'intérieur, comment ça se passe. On va toucher à tout. On va un petit peu tout regarder. On va s'amuser avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, moi ça me fait super plaisir, à vous abonner et je vous dis bonne vidéo. Donc voilà le Ford Ranger Raptor, véhicule développé par Ford Performance, pour ceux qui préfèrent rouler hors des sentiers battus. Il est propulsé par un moteur diesel EcoBlue. Alors je sais, certains diront « Ah mon Dieu, diesel !» Mais bon. Faut bien faire avec, hein. On est en Europe les mecs, hein. On n'est pas aux États-Unis. Donc je disais un moteur diesel EcoBlue biturbo cylindré 2 litres qui développe 213 chevaux. Et le gros plus, c'est qu'il y a une boîte auto 10 rapports. Par contre là, c'est la même que sur le F-150 Raptor, ils ont pris exactement la même. Voilà, donc avec les suspensions Fox Sox et avec des pistons de 46,6 mm. Énorme. Et il y a une technologie spéciale, position sensitive damping, qui génère des forces d'amortissement plus élevées lors des séquences tout-terrain et plus faibles dans les conditions de conduite sur route plus classiques. Je vous lis la petite phrase que j'ai sur mon petit papier. Enfin voilà, en bleu comme ça, spécial compétition. Donc les pneus sont énormes, la dimension c'est du 285-70. 17, donc j'entends 17, il mesure 838 mm de diamètre et 285 mm de largeur. Rouler en tout terrain à toute vitesse, c'est fait pour. Enfin, le véhicule est fait pour ça. Hein. Voilà, et on a des étriers à double piston devant avec des disques qui font 332 mm par 32 mm et à l'arrière ils font la même taille mais par 24 mm. Donc en gros, prends un disque à l'avant, prends un disque à l'arrière. Garde au sol de 28 cm, marchepied spécial Raptor, donc c'est pas de la blague. Hein. Je sais pas si vous entendez avec le logo Raptor. Donc c'est fait pour éviter les projections sur l'avant des cailloux et en même temps mieux faire sortir la neige, la boue, le sable, les choses comme ça. Il est magnifique. Bon, radar arrière, caméra de recul, assez classique. Vous avez des crochets de c'est pour tracter ça, c'est pareil, hein. C'est ça blague pas quoi. Hein. Bon, le crochet est un peu spécial, je vous l'accorde. Alors un truc super là-dessus, la ridelle. Avant, c'était un truc super lourd. Maintenant, franchement, c'est de la rigolade. De ce que j'ai lu, ça vous demande 66% de force en moins. En gros, je vous montre, hein, un doigt. Sans rien faire. Je n'ai même pas forcé, je ne suis pas épuisé, rien du tout. Ensuite, on va regarder la benne. Donc voilà la benne, énorme. Alors à ce qui paraît, on peut rentrer un jet ski facilement. Le moto, il est superbe. On retrouve l'arceau du Wheeltrack avec sa couleur gris Wheeltrack. Bon là, c'est la trappe à carburant avec la D-Blue. On va regarder d'abord les places arrière. Donc mi-cuir, mi-alcantara pour plus de confort. Donc avec les surpiqûres bleues. Ah, elles sont magnifiques. On va allumer la lumière pour y voir mieux. Ouais, elles sont magnifiques. Avec l'accoudoir au centre avec des reposes gobelets. J'adore les surpiqûres bleues.
Vous allez voir, les sièges de devant sont encore plus beaux. Et donc, petite astuce, il faut tirer ici et là. Et donc là, vous avez le cric, le triangle de sécurité, les barres de remorquage. Et on a aussi un petit rangement pour mettre 2-3 bêtises, 2-3 outils. Donc sous la banquette. Avec donc une prise 12 volts derrière et une prise de 130 volts. Alors attention, c'est une prise à l'américaine. C'est pas la même que chez nous. Donc il faudra sûrement un adaptateur, c'est même sûr. Ça, c'est les réglages lombaires de chaque siège. Voilà, même là, le cuir avec la surpiqûre bleue, c'est magnifique. Moi, j'adore. Petit détail, ce que vous voyez là, c'est pour fermer le véhicule. Donc, la clé dans la poche. Et quand je mets la main ici, donc là, je ferme. Et là, j'ouvre, tout simplement. Et là, ça y est, on passe à l'intérieur. Donc, on va retrouver sensiblement les mêmes choses que dans le Wheel Track. Un peu plus joli, un peu plus tout, un peu plus Raptor. Donc, toujours les surpiqûres bleues. J'insiste là-dessus parce que moi j'adore le marchepied. Hein. J'ai vraiment un kiff sur le marchepied. Donc, plaque de seuil, forte performance. Les tapis avec les surpiqûres bleues, avec le logo Raptor, magnifique. Les tapis sont superbes. Donc ici, on va mettre l'allumage automatique des feux, les anti-brouillards avant, les anti-brouillards arrière. Ça, c'est pour régler l'intensité de luminosité du tableau de bord. Ensuite, ça, c'est pour allumer les lumières derrière au niveau de l'arceau. Attention, pour allumer les lumières sur l'arceau, il faut mettre le frein à main. Il faut que le véhicule soit arrêté et le frein à main mis pour allumer les lumières sur l'arceau. Ici, c'est pour régler les rétroviseurs et les rabattre de l'intérieur. Nous avons aussi les palettes qui sont énormes et vraiment de qualité. Hein. C'est pas des palettes en plastoc hein. Et elles sont vraiment énormes. Voilà, ça, j'adore. Comme dans le F-150, la même chose. Je trouve ça super et au niveau de l'écran devant. Pareil, Raptor, je vous laisse apprécier. Hop, on va aller sur le côté pour pas avoir la lumière. Voilà, donc on va démarrer par le bouton de démarrage qui est ici. Donc bon, il faut mettre le pied sur le frein pour démarrer. Donc le compteur, je vais vous enlever le flash, comme ça vous voyez bien. Les aiguilles rouges, superbes. Moi j'adore. Donc après il y a plein de modes, hein, ça lit les panneaux, vous avez donc les angles d'attaque, enfin l'angle d'attaque, enfin les degrés, sur l'horizontale, la verticale, tout ça. Donc voilà, ensuite le volant, superbe. Donc c'est un cuir micro perforé avec de la mousse dessous pour que ça soit plus agréable. Et enfin, Ford nous a mis le témoin de centrage du volant, enfin des roues. Moi j'adore. Je trouve ça super joli. Bon, le système Sync 3, je vous mettrai un lien ici en haut là pour que vous puissiez aller voir comment ça fonctionne. Bon, GPS à commande vocale, climatisation à commande vocale, ça lit les SMS, ça peut envoyer des mails, tout ça. Mais bon, vous verrez dans le lien. Donc, comme pour le Wheel Track, on a le tableau de bord en cuir avec des surpiqûres bleues cette fois-ci. Toute la commande de climatisation avec les sièges chauffants. Le levier de vitesse qui a bien changé, superbe, moi j'adore. Donc pareil, toujours les surpiqûres bleues, avec du cuir micro perforé ici. Voilà, bah, toujours les modes de conduite, hein, de court, 4 longs, 4 courts. Avec l'anti-patinage, blocage différentiel, LED en descente. On a encore deux ports USB au fond là-bas, deux prises 12 volts. Les sièges, oh là, alors là, les sièges du grand luxe. Donc c'est un peu plus baqué, enfin c'est même baqué. C'est pour être mieux tenu quand vous faites du tout terrain. Donc pareil, surpiqûre bleue, le logo Raptor. Alors lui, il est... je crois que c'est ce qui donne tout le cachet au véhicule bientôt. Superbe, superbe. Et donc c'est type Alcantara. Hein. Je sais même pas si c'est pas de, enfin, c'est mi-cuir mi-Alcantara.
Les dames aimeront, hein, parce qu'il n'y a pas de tuyau ici pour éviter de se brûler quand on est en jupe. Le levier de vitesse, donc aussi avec des surpiqûres bleues en cuir. Des rangements ici. Nous avons toujours l'accoudoir central, donc en cuir avec surpiqûres bleues, avec un rangement supplémentaire. Et quand j'appuie ici, j'ai un peu de rangement. Avec ici une ailette qui s'ouvre et qui se ferme pour avoir le retour de clim pour faire une boîte à gants réfrigérée. Ici, les deux maintiens de la voix s'activent ici, donc j'appuie là. Vous voyez, ça met système de maintien de la voix activé. Et donc là, on a le véhicule. Hop, c'était désactivé, pardon. Donc là, j'appuie, donc vous voyez, le véhicule avec les traits sur les côtés, on peut dire que l'aide au maintien de la voix est activée. Si je rappuie dessus, l'aide au maintien de la voix est désactivée. Je vais mettre le zoom parce que même si là, les aiguilles rouges, enfin le zoom, le flash, parce que même si les aiguilles rouges, ça fait super joli, moi, ce que j'aime, voilà, c'est l'effet carbone derrière. Je trouve ça très sport. Donc ici, on a le régulateur et limiteur de vitesse. Hein, assez classique. Les hoquets qui sont là sont pour naviguer donc à l'intérieur du menu. On a aussi ici, ce qui va nous intéresser le plus, le bouton mode. Donc, vous avez 6 modes de conduite. Mode tout terrain, mode sport, mode gazon, gravier, neige. Donc là, il faut changer les transmissions. Hein. Mode rocher, mode barra, et mode boussable. Donc 6 modes de conduite pour s'amuser avec ce genre de véhicule. Ouais, je sais, allez, je vais laisser le mode sport pour le faire. On a deux ordinateurs de bord. Éco-carburant, c'est la même chose. D'accord, non, on peut avoir d'autres choses. Vitesse moyenne. Et on voit avec ça. Ah, c'est une jauge de consommation quand vous appuyez sur le carburant. Info du véhicule. Donc ça, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. D'accord. Donc après, on a donc la température. Ça, c'est les feux allumés, la batterie, le mode sport et nord-est. On va de la voix pour vous dire d'aller boire un café. Est-ce qu'on a encore maintien de la voix? Mode, donc on a plusieurs modes. Alerte, aide, alerte plus aide. Donc en gros, le volant tourne tout seul et l'intensité élevée. Donc comme ça, on a 3 niveaux aussi, mais ça vous garde vraiment dans la voie. Ensuite, on a pré-collision. Donc on peut régler la sensibilité de l'alerte, donc un peu plus haute, un peu plus basse. Donc le freinage actif, pré-collision en marche. Donc les petits ronds au-dessus là, ce sera la lecture des panneaux qui sera à l'intérieur de la caméra du rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc on peut enlever le radar, limiteur de vitesse. D'accord, on peut le mettre manuel ou intelligent. Intelligent veut dire qu'en gros, il va lire les panneaux, il va vous bloquer automatiquement la vitesse pour éviter de se faire flasher. Donc vous êtes à 70 en limiteur de vitesse, ça passe à 50. Il va automatiquement vous passer à 50 et on peut régler donc une tolérance de plus ou moins 5 km/h. Enfin, je crois qu'on peut aller encore plus loin, voilà. Mais bon, je pense que 5, c'est très bien. Donc manuel ou intelligent, panneau de signalisation toujours visible, alarme de vitesse. Donc en gros, si je fais ça, ça veut dire que dès que le panneau jusqu'à après 65 km/h, on peut encore régler, mais ça veut dire qu'en gros, si vous dépassez la limitation, ça fait des petits bips qui sont chiants. Sur remorque, je sais pas trop ce que c'est. À mon avis, c'est pour surveiller la remorque. Non, je sais pas. Je regarderai. Donc, réglage du véhicule. MyKey, deuxième fonction. Donc, je peux créer une deuxième clé. Par exemple, je donne la clé à quelqu'un. Il peut pas dépasser les 70 km/h, mettre le son à plus de 5, désactiver les sécurités pour conduire. Enfin, toutes les aides à la conduite. Il peut pas désactiver les aides à la conduite. Donc, je peux faire ça si je veux prêter mon véhicule à quelqu'un. Mais en général, je pense pas que le Raptor, on s'amuse à le prêter. Affichage, unité de mesure, unité de température, la langue, tout ça. OK. Ordinateur de bord. Donc, on peut mettre en grand la vitesse. Compteur journalier et la consommation moyenne. Alors, faut pas se fixer là hein, sur 25 litres au 100. Parce que juste on l'a reçu, on a juste mis du carburant dedans, sinon il rentre, il sort et on fait jamais de
de route, donc ça ne peut pas être réel. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés de voir le moteur, biturbo 213 chevaux, 2 litres. Voilà, à savoir que la boîte automatique est la même que sur le Raptor, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Et ils ont repris la même boîte automatique. Voilà, donc avec des vérins qui permet de tenir le capot tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu voir un petit peu d'une manière différente le Raptor comparé à tout ce qu'on voit à la télé. Voilà, ça reste quand même amateur. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Moi, ça me fait super plaisir quand je vois des j'aime. Et quand vous abonnez, bah alors là, je me la raconte. Et mes collègues se moquent de moi, mais ça, c'est une autre histoire. Après, dans la description, vous retrouverez la liste des équipements de série du véhicule, ainsi que plusieurs informations. Je vous mettrai tout ce que je trouve, tout ce que j'ai en ma possession. Savoir que le véhicule est en annonce, parce que forcément, il faut le vendre. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à une prochaine.